Voilà. Merci de vous installer tranquillement. Prenez votre temps. On va attendre un peu. Tout le monde s'installe. Pendant que, d'abord, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à l'amphithéâtre Bachelard de la Cité de la Réussite, à l'Université de la Sorbonne. Bon, je tiens tout de suite à vous préciser une chose. Nathalie Kosciusko-Morizet va venir, mais elle vient d'avoir une panne sur l'autoroute A6. Elle est dans un taxi pour nous rejoindre le plus vite possible. Ça arrive, ça tombe mal, mais elle est forcément encore plus désolée que nous le sommes et que peut-être vous l'êtes vous-même. Elle nous rejoindra, on a besoin de femmes dans ce débat et surtout on a besoin de politique. Elle a mis du maïs dans son moteur et du coup le moteur avance moins bien. C'est pas vrai. Attention, hein. Voilà, citoyen, entreprise, État, une responsabilité écologique partagée. Cette Sorbonne, qui historiquement aime les débats de société, s'accommode fort bien de celui-là. Et j'espère que nous aurons une conversation, puisque nous sommes quasiment en petit comité aujourd'hui, une vraie conversation avec les experts qui nous ont rejoints. Cette année, la Cité de la Réussite explore le vaste thème de la responsabilité, et celle de l'écologie et de l'environnement est évidemment au cœur des débats actuels, et notamment ceux liés à l'actualité de l'élection présidentielle. Il n'est qu'à observer, ça ne vous a pas échappé, il n'est qu'à observer combien tel ou tel écologiste connu peut être courtisé, à droite comme à gauche, par les uns et par les autres. Je pense un peu à Nicolas Sarkozy. Il s'appelle Nicolas tous les deux, mais c'est le hulot dont je voulais vous parler. Il n'a pas dit d'ailleurs dans quel camp il allait travailler. Hein. Et il n'est pas là aujourd'hui pour nous parler. Et il n'est qu'à lire les sondages. Il n'est qu'à lire les sondages aujourd'hui pour bien voir que la priorité numéro un des Français touche à leur santé. D'abord mon corps et ma santé. Et la santé et l'environnement préoccupent les Français aujourd'hui. Le magazine que j'ai le plaisir de diriger d'ailleurs sort c'est pas de la pub, hein, mais on a fait un dossier sur santé et environnement, sommes-nous en danger? Et je voudrais vous rappeler un sondage récent de l'IFOP qui dit que la prochaine priorité du prochain président de la République devrait être en matière d'environnement, et je vais vous les donner dans l'ordre, autoriser, vous allez être ravis madame, autoriser les carburants verts, c'est-à-dire les produits agricoles, en 33%, développer la production des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, géothermiques en 2 à 31%, et très très loin derrière tous les autres thèmes, et je vais les citer dans l'ordre, vous les connaissez, interdire la vente et la production des OGM sur le territoire national, 9%, limiter la circulation automobile en centre-ville, 9%, subventionner les produits bio pour qu'ils soient au même prix que les autres produits, 7%, arrêter le programme nucléaire français, 7%, mettre fin au programme de réintroduction de l'ours en France, 3%. Voilà, ça c'est pour les chiffres. Il y a encore quelques années, l'environnement ne faisait guère recette, ni dans les médias, ni ailleurs. Il semble qu'aujourd'hui les Français aient envie d'agir, en témoigne le succès de la campagne Un geste pour la Terre, dont vous connaissez bien les termes, François Moisan. Un geste pour la Terre mené par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et la Fondation Nicolas Hulot. Alors on admet aujourd'hui plus facilement, sans doute, que la croissance économique ne saurait justifier la détérioration des ressources naturelles, de la biodiversité. L'expression développement durable commence aujourd'hui à s'installer durablement. Moi je me souviens d'un certain nombre d'interviews où il y a encore 10 ans, certains de mes interlocuteurs me disaient « Oh, ben oui, vous me parlez de développement durable,
et je ne suis pas sûr que l'expression elle-même passe les 5 ans. On est à 10 ou 15 ans depuis, et l'expression, non seulement l'expression, mais la vigueur du débat autour du développement durable s'est confirmée. L'expression développement durable a été popularisée en 87 avec le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, et surtout le sommet de Rio, c'était en 92. Question, peut-on se développer sans porter atteinte à l'environnement? Peut-on définir les conditions d'un développement durable valable pour l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de la planète, malgré les disparités nord-sud? Quel est le rôle respectif des États, des collectivités locales? François Moisan, vous étiez hier soir dans le département de l'Essonne, alors c'est sur les terres de Nathalie Kosciusko-Morizet, et vous en parlerez peut-être tout à l'heure, au contact alors, immédiat avec les citoyens, parce que là-bas, il y a des problèmes d'avions près des pistes d'Orly, et puis il y a l'autoroute A6 qui passe pas loin, et les gens en ont un petit peu marre d'être soumis à ces agressions de diverses origines. Donc quel est le rôle, au fond, et c'est une des questions importantes de ce débat, quel est le rôle respectif des États, des collectivités locales, des entreprises, des ONG et bien sûr des citoyens que nous sommes tous? Comment passer des déclarations d'intention à la mise en œuvre des mesures concrètes qui peuvent avoir vraiment un impact important sur la terre qu'on va laisser à nos enfants? Pour en parler et avant de vous laisser poser les questions, et c'est vrai que la structure de ce débat nous autorise à cette conversation assez rapide, les micros vont circuler, et puis quelques étudiants ont préparé, ils ont planché sur cette question, des étudiants de l'école du management de Lyon. Voilà, je présenterai Nathalie tout à l'heure, et à vous d'abord François Lemarchand. La presse vous présente souvent comme un ulubrius un peu, hein. Enfin un patron un peu atypique, militant, écolo, ex-68ard, rêveur. Il n'empêche que vous dirigez Nature et Découverte, et que Nature et Découverte, c'est aujourd'hui 900 salariés et 153 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous rachetez d'abord, ça c'est pour la partie ancienne de votre CV, vous rachetez d'abord, et vous êtes alors fraîchement diplômé d'Harvard et de l'ESCP, la filiale française de Pierre Import, qui était dans les années 70, d'ailleurs un peu en perte de vitesse, et au bord de la faillite. Vous allez faire évoluer ce concept de Pierre Import, vous allez gagner de l'argent, l'offre à l'époque se développe d'objets authentique, produit par des artisans. Et puis, c'est le début du commerce équitable. Le succès est là, immédiat, quasiment. Les objets artisanaux se standardisent. Cette manière de vente ne vous convient plus. Et vous vendez au bon moment. Vous vendez Pierre Import. Et avec cet argent-là, vous allez créer votre entreprise. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Avec énormément de conviction, parce que vous allez dessiner cette entreprise à votre image. Et c'est Nature et Découverte. On est en 1990. Vous créez un modèle d'entreprise particulier, commercial sans doute, parce que vous êtes là pour vendre, mais original aussi, parce que vous allez créer dans vos magasins des animations pédagogiques gratuites. Vous allez développer les projets éducatifs. Et puis il y a la fondation Nature et Découverte qui reçoit 10% de vos bénéfices. Enfin, vous pourriez les mettre ailleurs, y compris dans votre poche, mais vous les mettez dans cette fondation Nature et Découverte. On vous dit proche du WWF et de Greenpeace. Voilà, ça c'est pour le portrait. Et puis vous pourrez compléter tout à l'heure, corriger éventuellement les termes de cette présentation. À ma droite et à votre gauche, donc François Moisan, vous êtes directeur de la stratégie de la recherche et également directeur scientifique de l'ADEME. On en a parlé il y a deux minutes. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un organisme public financé, on va dire, entièrement par l'État, qui est né en 1992. C'est récent. L'ADEME, c'est la fusion de trois agences différentes. L'ENRED, qui s'occupe des déchets, je ne me trompe pas, et l'AQA, qui est l'Agence de la qualité de l'air, et l'AFME, maîtrise de l'énergie. Vous faites du conseil, vous faites de l'expertise. Après tout, on pourrait chacun d'entre nous vous solliciter, vous appeler, vous interpeller pour nous donner des conseils sur la qualité de l'air que nous respirons, dans l'environnement dans lequel nous vivons. L'ADEME, c'est 850 personnes. Vous êtes presque autant que Nature et Découverte. Hein. Et votre budget est de 230 millions d'euros, dont 50 millions réservés à la recherche. Pour aussi sensibiliser le public, les entreprises, les citoyens. Merci d'être là aussi pour en discuter. D'ailleurs,
dois dire que votre formation est aussi intéressante parce que vous êtes à la fois ingénieur et économiste. Vous avez fait Supélec et une thèse d'économie. Donc vous avez la double formation. Et avant l'ADEME, vous avez travaillé au CNRS dans le premier programme sur l'énergie solaire. C'était après le premier choc pétrolier, certains d'entre nous s'en souviennent. Et puis vous avez travaillé dans diverses missions ministérielles, dont celle au ministère de la Recherche sur les économies d'énergie. Et puis Kyoto, parce que vous avez été membre de la première équipe de Kyoto, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur la place de la France dans ce dispositif. Et vous avez fait partie de cette équipe française à Kyoto. Ben, Kyoto, c'est une énorme aventure qui continue à avancer. Et on est loin aujourd'hui d'ailleurs d'avoir de bons résultats sur Kyoto. On voit bien que c'est une machine qui est lourde. On en reparlera sans doute et au travers de vos questions. Kyoto est encore loin d'avoir donné tous les résultats possibles qu'on espère. Voilà pour les termes de ce débat. Bienvenue à vous. Je voudrais dire aussi que donc Nathalie Kosciusko-Morizet nous rejoint dans quelques minutes avant de m'asseoir et de passer la parole à François Le Marchand. François, 61 magasins en France, mais vous visez la centaine de magasins, c'est-à-dire que l'énergie de développement de Nature et Découverte n'est pas terminée. Est-ce qu'on peut dire, et ça sera ma première question, est-ce que vous surfez sur cette vague écolo? Est-ce que vous profitez éhontément de la vague naturaliste pour faire du business? C'est un peu provocateur, mais c'est une question qui va d'emblée ouvrir le débat. Vous dites tout de suite, nous avons 61 magasins et nous allons aller à 100 magasins. Pourquoi dites-vous ça? Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi on va le faire? Parce que c'est le système aujourd'hui. On a une taille, il faut être plus gros. Il faut plus consommer, il faut plus de matière. Plus de choses. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 600? Pourquoi pas 1000? En fait, ça n'a pas d'intérêt. Le problème en soi n'a pas d'intérêt. La croissance pour la croissance n'a pas d'intérêt en soi, sauf si elle est au service des hommes, sauf si elle est au service d'un équilibre avec l'environnement, avec la planète. Mais une entreprise qui croit pour croître, pour en général, en oubliant sa finalité, la vraie finalité de l'entreprise, qui est d'être au service des hommes, eh bien, cette entreprise va tourner en rond. Elle va tourner en rond, c'est-à-dire qu'elle va faire du chiffre d'affaires pour du chiffre d'affaires, elle va faire du bénéfice pour du bénéfice, elle va remplir les poches des actionnaires. Et je pense que c'est une erreur de dire ça. Il faut revoir complètement les termes aujourd'hui de ce que c'est que l'entreprise dans le monde, dans la société civile en général. L'entreprise, elle est là au service d'une société et cette société est en train de bouger énormément en ce moment, même si beaucoup de gens dans les politiques, dans les chefs d'entreprise n'ont pas compris. La société civile est en bouleversement complet. Je vous donne deux chiffres, c'est très intéressant. Vous savez, nous, dans les entreprises, on adore les études de marché, et puis il y a des gens qui nous font des belles cartes en disant comment se comportent les gens. Il y a 10 ans, il y avait un groupe qu'ils appelaient les hyperconsommateurs. Vous savez, les hyperconsommateurs, c'est les gens qui ont la fièvre acheteuse. Ils sont formidables. Nous, les commerçants, on les adore. Ils achètent tant que ça peut, ils ne comptent pas, rien n'est trop beau, ils adorent la mode. Ils représentaient 25% de la population française il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces gens, ce groupe-là représente 8% de la population française. Et puis, il y a 10 ans, il y avait un petit groupe, d'ailleurs, on ne leur a même pas donné de nom parce qu'on ne savait pas comment les appeler. Enfin, aujourd'hui, on les connaît parce qu'ils représentent, eux, 25% de la population française. On les appelle les alter-consommateurs. 25% de la population française. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent bien acheter. Ils veulent bien continuer à consommer. Mais si cette consommation a du sens, qu'elle leur apporte du bien-être, qu'elle apporte du lien social, qu'elle est responsabilisante, ils n'achètent plus de la matière, ces gens-là. Ils achètent de la valeur ajoutée. On est en train de partir d'une société qui vendait de la matière, de l'énergie, énormément de biens matériels pour une société qui est en train d'offrir, qui va continuer à consommer, qui va continuer à consommer du PNB d'ailleurs, mais avec une qualité pour la qualité de la vie, pour la qualité du développement des individus. Alors, je réponds parce que vous m'avez titillé sur... Vous agressé. Je suis, non, pas agressé. Voilà. Avec les 100 magasins, mais peut-être que vous les ferez, les 100 magasins. Non, mais vous me parlez. Oui, bah, peut-être que ah, ça peut-être. Sera. Ça sera si nous pensons que les... D'abord, si l'entreprise est
prête à le faire. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas uniquement une machine, c'est une culture, ce sont des gens. Ce n'est pas moi qui fais l'entreprise, je veux dire, ce sont des gens qui croient, qui font. Et on a notre rythme biologique. C'est un être vivant, une entreprise. Et si la culture de l'entreprise, si les gens de l'entreprise sont prêts à grossir à raison de 4, 5, 6 magasins par an, on va le faire. Mais si on n'est pas prêt, si la culture n'est pas prête, on va exploser. Et vous savez, nous avons un symbole dans notre entreprise, c'est une tortue. La tortue, c'est le symbole de l'écologie. C'est-à-dire qu'elle se hâte lentement. Et surtout parce qu'elle se hâte lentement, elle va durer très longtemps. Parce qu'elle va utiliser avec parcimonie les ressources rares de la planète, c'est-à-dire les hommes, les matières premières, les énergies, toutes choses qui sont rares. Eh bien, nous allons apprendre à les intégrer lentement. Et ce qu'on veut, qu'est-ce que veut une entreprise ? Ce n'est pas de durer 5 ans pour être vendu dans 5 ans à un autre fonds d'investissement. Ce qu'on veut, c'est durer 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, est-ce qu'on surfe sur une vague ? Je ne sais pas, en 90, on a créé Nature et Découverte. Est-ce que c'était du surf à ce moment-là ? À ce moment-là, on était plutôt des, vous avez dit, des uberlus. Ben oui, moi j'aime bien être l'uberlu. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est rattrapé. On est rattrapé par le développement du sentiment écologique de la globalité de la société civile. Nous n'étions pas, à ce moment-là, quand nous avons démarré, c'était parti d'une espèce d'intuition, d'un rêve, d'une conviction de la société que nous voulons. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir la possibilité, à un moment donné, mon épouse et moi, d'avoir l'argent nécessaire pour faire le projet que je voulais. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions militants écologistes, nous aimions la nature, nous avions une vision de ce que nous voudrions donner à nos enfants. Nous avions 4 enfants et nous voulions que nos enfants vivent dans un monde qui nous plairait. Et nous voulions leur offrir des choses qu'ils comprendraient, et c'est-à-dire se rattacher à la nature, comprendre la nature. L'homme d'aujourd'hui est coupé de la nature. L'homme d'aujourd'hui, l'homme des villes, vit dans le béton et ne sait pas ce que c'est que la nature. De parler de protéger la nature, de protéger l'environnement, de parler de ça à des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la nature, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut protéger que ce que l'on connaît, on ne peut protéger que ce que l'on aime, et on ne peut protéger que ce pourquoi on s'émerveille. Mmh. Et à ce moment-là, on pourra protéger. Et c'est ça le boulot de Nature et Découverte. C'est prendre les gens des villes, les emmener dans la nature, leur offrir des produits qui vont les aider à aller dans la nature, qu'ils apprennent, qu'ils se baladent, qu'ils aillent avec le monde associatif, on travaille beaucoup avec le monde associatif, qui vont les emmener, qui vont leur apprendre à s'émerveiller devant des étoiles, à regarder, à voir qu'il y a des oiseaux dans le bois de Boulogne, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, etc. Et de faire pousser des plantes. Et à ce moment-là, on aura réussi notre boulot. C'est-à-dire, on a réenchanté un peu ce monde. Voilà. Donc, je suis très content qu'aujourd'hui, oui. Ça y est, la société est en train de bouger. Alors, j'espère qu'on peut se dire chez Nature et Découverte, ben, c'est bien, on a participé à faire éclore cette sensibilité écologique, ce nouveau monde qui est passionnant. On pourra en parler tout à l'heure, je pense, du monde qui arrive aujourd'hui. Il n'est pas terrifiant, il est passionnant, il est plein d'espoir. Et je suis très content qu'aujourd'hui ça fonctionne et qu'on me dise, bah, c'est bien, tu es sur la vague. C'est agréable au bout de 16 ans de dire qu'on est sur une vague. C'est une très longue vague. Hein. Moi, j'aime bien. C'est des vagues qui durent. C'est une vague qui dure. Eh bien, j'espère qu'elle va durer longtemps, qu'elle va s'amplifier et qu'il y aura beaucoup d'autres natures et découvertes dans les années qui viennent. Très bien. Alors, dans votre catalogue, il y a des objets absolument merveilleux. Je ne dis pas ça pour faire de la pub non plus, mais il y a des objets qui ne sont absolument non polluants, qui travaillent à l'énergie solaire, des petites lampes qu'on met dans les jardins, etc. Et ça me fait penser à cette transition vers vous, François Moisan, c'est qu'on peut aujourd'hui, de manière très concrète, offrir à nos concitoyens des gestes simples pour améliorer les conditions du changement climatique. Une vraie question, c'est qu'on se dit toujours, mais au fond, nous, on n'y peut rien. C'est très, très loin, cette affaire-là. On parle de réchauffement de la planète, on parle de changement climatique, mais ça ne bouge pas vite, la prise de conscience est lente, et puis surtout, le citoyen se dit, ben, je ne peux pas faire grand-chose. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, si on regarde les chiffres. Non, pas du tout, et je crois que s'il y a un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, puisque le thème de notre journée, c'est État, entreprise, citoyen, quelle responsabilité, c'est bien sûr, les entreprises ont des responsabilités, il ne s'agit pas de les dédouaner, bien au contraire, elles ont beaucoup de responsabilités, je pense notamment au changement climatique. Je voudrais parler surtout du changement climatique parce que je pense que c'est, d'un point de vue environnemental, le principal enjeu auquel notre société, l'humanité, va être confrontée au cours du XXIe siècle.
je crois qu'il y a un problème d'irréversibilité qu'on ne retrouve pas dans aucun autre domaine au point où on est. On est peut-être dans un cheminement où il sera difficile de retrouver un environnement viable. Alors, sur le changement climatique, encore une fois, les entreprises ont un rôle. On y reviendra certainement parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Les États ont bien sûr un rôle. Ils ont un rôle. On a parlé de Kyoto. On y reviendra peut-être sur ces insuffisances. C'est quand même un pas, je pense, essentiel. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est la responsabilité des citoyens. Quand on regarde quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, en moyenne, en France, chacun d'entre nous émet 8 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble de ses activités. Alors, à la fois parce qu'il va se chauffer, il va se déplacer, et puis par les produits qu'il va acheter. Alors, si on regarde, déjà 8 tonnes de CO2, c'est 4 fois plus que ce qu'il faudrait, que ce qui est possible pour la Terre compte tenu de l'ensemble de la population au XXIe siècle. C'est 4 fois trop. C'est 4 fois trop. Donc, en gros, on devrait avoir un budget de CO2 de 2 tonnes de CO2 par an. Alors, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire. Bon, y a des technologies, ça suppose des technologies, ça suppose des modifications des modes de vie. Mais revenons sur ces 8 tonnes. Si on regarde, il y en a un quart, c'est lié à nos déplacements personnels, alors, soit dans nos activités de loisirs, soit dans nos activités professionnelles, pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour se déplacer pour des vacances, etc. Ça représente déjà 25% de la totalité des émissions d'un pays comme la France. Deuxième poste, et ça on voit bien qu'on a une responsabilité directe là-dessus, même si on est contraint par les trajets domicile-travail, le fait qu'il n'y ait pas forcément toujours des transports en commun. Deuxième poste, la maison. L'énergie à la maison, c'est 22% de nos émissions. Un quart, presque un quart aussi de nos émissions à travers notre chauffage, tous les appareils électroménagers, les consommations quotidiennes. Là aussi, on a des choix. Bien sûr, un locataire, il ne va pas pouvoir forcément changer la maison dans laquelle il est, faire tous les travaux. Il y a des difficultés, mais on peut choisir. On peut, comme vous dites, il y a des gestes. Puis au-delà des gestes, il y a des fois des investissements. On peut quand même choisir un appareil électroménager, comme on dit, avec l'étiquette A ou A+, plutôt que d'acheter un B ou un C. Donc il y a une responsabilité. Et puis le reste. Le reste, c'est quoi finalement? C'est les entreprises et le transport des marchandises, hein, qui comptent le transport des marchandises pour presque 20%. Et tout ça, le transport des marchandises, les entreprises, c'est ce qu'on achète, c'est les produits, les services qu'on achète, et là aussi, on a des choix. On peut acheter des haricots verts qui viennent du Kenya, des fraises en hiver, ou on peut acheter des légumes qui sont plutôt des trajets courts, qui sont produits pas loin. Donc, on a, à travers l'ensemble des émissions d'un pays comme la France, au niveau individuel, des choix importants. Et on voit bien qu'on peut évoluer. Alors, est-ce que c'est qu'un choix technologique? Parce que là aussi, il y a une question qui se pose. On sait bien que beaucoup... On entend dire, par exemple, qu'aux États-Unis, on ne va pas changer nos modes de vie. On entend, mais c'est peut-être plus maintenant à un certain niveau que les citoyens qui disent ça. On ne va pas changer nos modes de vie. La technologie va tout résoudre. On a fait une enquête en France, qu'on fait tous les ans, en demandant, est-ce que vous pensez que vis-à-vis du changement climatique, la technologie, la science... Je suis responsable de la recherche scientifique, donc je pense qu'il y a des options technologiques importantes. Mais je pense qu'il faudra changer les modes de vie. Et les Français en sont convaincus. 75% des Français disent qu'il faudra changer les modes de vie. Donc il y a une prise de conscience qui existe d'ores et déjà sur le fait qu'il faudra... Ils ne sont que 12% à croire que... Finalement, les ingénieurs, les scientifiques vont trouver des solutions et que ça ne les concerne donc pas, eux, citoyens. Donc ça, je pense que c'est quand même très, très important et qu'on doit tous en prendre conscience à notre niveau quotidien dans le choix. Qu'est-ce qu'on choisit comme voiture? Est-ce qu'on choisit de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser tous les jours? Qu'est-ce qu'on consomme? Comment on se chauffe, etc. Est-ce qu'on prend une douche ou un bain? Oui, une douche et un bain, mais au-delà, il y a des gestes, effectivement, qui sont évidemment très simples, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Les veilles, les appareils en veille, ça, au total, c'est des petites choses. Le problème, c'est ça, c'est que si c'était un choix définitif, je choisis de faire ça et pas ça, ça serait simple. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Alors, ce qu'on essaye, ce qu'il faut, c'est informer, parce que tout le monde n'est pas au courant, il faut informer les gens, il faut sensibiliser. On a des campagnes, comme vous évoquiez, une campagne actuellement, on vient de lancer avec Yann Arthus Bertrand, Action carbone, ça veut dire quoi? C'est une idée de neutralité carbone. L'idée est de neutraliser les émissions de carbone. Je vois que Nathalie... Bienvenue à Nathalie Couchus-Commonzière. On continue. À vous dans deux secondes. Vive le vélo. Oh bah écoutez, sur la 6, c'est pas facile le vélo quand même.
On va pas lui demander de venir en vélo sur l'autoroute A6. Oh. Bon, voilà. Je vous en prie, monsieur Mozart. Donc, je reviens sur le fait qu'on peut neutraliser nos émissions de carbone, et je reviendrai tout à l'heure sur cette initiative que nous avons avec Enertus Bertrand. Voilà. Bon, eh ben, on va tout de suite accueillir effectivement Nathalie Kosciusko-Morizet. Une blague tout à l'heure, quand vous étiez en retard et que vous étiez en panne sur la tour A6, on s'est dit, est-ce que sa voiture roulait à un carburant vert ? Est-ce que, non. Prenez le micro pour... J'aimerais bien, surtout depuis qu'on le fait à 80 centimes d'euros et qu'il y a une pompe à la porte d'Orléans, ce qui est très pratique pour ma circonscription. J'attends avec impatience qu'ils soient disponibles. Pour le moment, à ma connaissance, ils ne le sont pas. J'ai posé la question à mon garagiste qui m'a dit que lui, il n'avait pas encore les modèles. C'est le modèle roulant au flex fuel. Ah bon ? Oui, le flex fuel... Il faut avoir la voiture qui va avec, non ? Ben, y a deux types de biocarburants. Vous avez le biocarburant qu'on insère dans des petites proportions dans le carburant classique. Jusqu'à 10%, vous ne changez pas de voiture, ça ne pose pas de problème. Mais c'est simplement 10% de biocarburant dans votre réservoir. Et puis maintenant, vous avez le tout nouveau système qui est ce qu'on appelle le flex fuel. Là, c'est E85, c'est 85% d'éthanol. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour l'écologie. C'est aussi beaucoup plus intéressant pour le porte-monnaie parce qu'il est à 80 centimes d'euros le litre. En revanche, ça nécessite d'avoir une voiture qui n'est pas fondamentalement différente, mais qui est un petit peu adaptée. Donc c'est une voiture qui est destinée à ça. Et comme les pompes, enfin, la première pompe vient d'être mise en place, je crois que les voitures vont arriver, mais ne sont pas encore véritablement disponibles. Je les attends, comme vous, j'espère. Alors votre nom est déjà attaché à l'un des documents importants de la vie publique des Français. Je veux parler bien sûr de la Charte de l'environnement. C'est un texte qui a été voulu par le président de la République et dont vous avez été le rapporteur. Pour vous présenter en quelques mots, je dois dire que vous êtes polytechnicienne avec une spécialité de biologie. Mais vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, car juste après Polytechnique, vous avez intégré l'École normale de génie rural des eaux et forêts. Et on vous voit travailler dans les bureaux d'agriculture et environnement de la direction internationale qui va préparer le protocole de Kyoto. C'est peut-être là que vous avez d'ailleurs rencontré Monsieur Moisan. Après un passage chez Alstom, vous entrez au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, toujours autour du développement durable, avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, donc député UMP de l'Essonne. L'environnement sous toutes ses formes donc motive réellement votre engagement, vos études et votre engagement politique, vos écrits aussi. On vous doit d'ailleurs, si on souhaite poursuivre et lire ce que vous pensez sur ces questions, vous avez écrit « Pour une nouvelle politique de l'environnement » en 1999, « Pourquoi une charte de l'environnement » en 2001 et « Le paysage du droit au goût » en 2002. Voilà. Et comme vous tombez à pic, nous sommes en train de faire un premier tour de table, ma question pour vous était, quel est le rôle de l'État ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Et je pensais à quelque chose de tout à fait précis, ce sont les achats de l'État. Vous savez que toutes les collectivités publiques, collectivités territoriales, achètent énormément de produits. Est-ce que l'État, au sens très large, pourrait acheter vert, pourrait acheter écolo, pourrait acheter équitable, pourrait acheter développement durable? Est-ce que ça, c'est pas un bon premier exemple? Est-ce que l'État lui-même et les collectivités territoriales doivent pas tout simplement donner l'exemple et acheter du papier recyclable, etc., etc. Quelle est votre position là-dessus? Avant de prendre vos questions. Hein. L'État, il a plein de responsabilités. Il y a des politiques que lui seul peut mettre en place, sans même aller sur la question des achats, type les grandes politiques d'infrastructure. Moi, je considère que c'est sa première responsabilité, parce qu'on parle en matière d'écologie, et on a raison, de toutes sortes d'équipements, mais une voiture, malgré tout, on l'achète pour 10-15 ans. Une autoroute ou un HLM, on le construit pour 100 ans. Donc je pense, de mon point de vue, que c'est là que porte la première responsabilité de l'État. L'État, il a aussi la responsabilité de libérer un peu les énergies et de permettre à chacun, justement, de prendre ses responsabilités. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a un certain nombre de politiques qui pourraient être menées par les collectivités territoriales qui sont juridiquement pas possibles. Et puis enfin, l'État, il a une responsabilité sur la question de sa politique personnelle vis-à-vis de l'écologie, donc peut-être de la même manière que nous, mais pas au même niveau, en matière de consommation. Moi, je crois beaucoup au lien entre les questions de consommation et les questions d'environnement,
Parce que d'une manière ou d'une autre, on peut tous avoir le vertige vis-à-vis de la mondialisation et des problèmes globaux d'environnement en se disant, mais finalement, quoi que je fasse, ça ne changera rien, qu'est-ce que je peux faire ? Et l'achat, le pouvoir d'achat, la consommation, c'est quelque chose à partir duquel on peut chacun avoir une action et mettre en adéquation ses actes, en l'occurrence ses actes de consommation, avec son éthique. L'État, naturellement, doit le faire. Il le fait dans une certaine mesure, c'est-à-dire que l'État a pris des positions d'exemplarité sur certains sujets. En matière de véhicules, c'est l'État et les collectivités qui, les premiers, ont essayé d'amorcer un marché sur les véhicules électriques, sur certains types de véhicules propres. Il le fait, à mon avis, pas encore du tout assez en matière d'habitat. Ça commence juste. L'habitat exemplaire, le bâtiment exemplaire du côté des bâtiments de l'État. Il y a eu récemment un déclic, moi je crois, avec ce qu'on vient de passer sur le logement social. Jusqu'à maintenant, le logement social était construit en qualité environnementale médiocre. Très peu de très haute protection énergétique, peu de haute protection énergétique, ce sont des labels, ce qui est doublement idiot. D'abord, ça pose un problème écologique pour tout le monde, et puis alors, en plus, ça fait des charges relativement élevées, alors même que l'habitat social est destiné à des personnes qui ont des revenus faibles, et donc il faudrait que les charges soient maintenues à un niveau faible. Et donc là, l'État, on vient de décider de mettre en place un système financier, bancaire, c'est à travers des prêts bonifiés avec la Caisse des dépôts, pour en fait que l'État paye le surcoût de prix pour construire les logements sociaux en très haute protection énergétique. Donc ça, c'est des mises en place progressives de politiques exemplaires en matière d'achat. Et j'en finis par là, il y a un truc qui, à mon avis, peut encore être amélioré et ne va pas, mais ça doit être amélioré avec l'Union européenne. Maintenant, les cahiers des charges pour les appels d'offres sont devenus très très complexes, très très organisés. Et une collectivité territoriale qui veut favoriser les circuits courts, par exemple dans les cantines, avoir des yaourts qui viennent du producteur qui n'est pas loin. Ce qui a plusieurs vertus, y compris une vertu pédagogique, parce qu'on sait que le yaourt, il est produit pas loin. Donc y a de la proximité, ça a plein d'intérêt. Puis ça a intérêt du point de vue de l'effet de serre, parce qu'il y a peu de transport pour amener le yaourt à la cantine, en l'occurrence. Ouais. Ça, c'est encore relativement difficile à faire, parce que les cahiers des charges pour les appels d'offres sont beaucoup construits sur le moins-disant financier et très peu sur le mieux-disant environnemental. On a du mal à mettre en avant des critères de proximité. Donc, du point de vue réglementaire, il y a encore des marges de progrès importantes. François Le Marchand, je vous vois réagir à cette question-là. Parce que c'est vrai que quand on a préparé la conférence, vous m'avez dit, bah oui, au fond, le pouvoir aujourd'hui est entre les mains des consommateurs, pas forcément entre, et en tout cas pas uniquement entre, dans les mains du pouvoir et de l'État. C'est le consommateur aujourd'hui qui a le pouvoir. Et si vous voulez bien, je vais l'appeler plus que ça, je vais l'appeler le citoyen consommateur. C'est quand même plus noble. Si vous voulez. Je crois qu'on a un peu trop à appeler les gens des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui avaient un portefeuille et rien dans la tête. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer, dire que les consommateurs ou les citoyens consommateurs, ils réfléchissent beaucoup. On est dans une société avancée. Je parle en France, bien entendu, où les besoins primaires sont globalement satisfaits. Et qu'aujourd'hui, on cherche quelque chose en plus et qu'on essaie de trouver, on essaie de répondre à des besoins secondaires, des besoins beaucoup plus élevés. Et il y a aussi une responsabilité. Les gens savent beaucoup mieux, savent très bien qu'il y a un problème. Je veux dire, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est amusant vos sondages. Dans votre sondage tout à l'heure, vous disiez que les gens se rendent bien compte qu'il y a un problème et qu'il va falloir qu'ils mettent leur... qu'il va falloir qu'ils changent les choses. Or, aujourd'hui, les consommateurs ont un pouvoir. Alors, on appelle ça le pouvoir d'achat. Alors, reprenons ce mot, pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est qu'ils ont le pouvoir de faire quelque chose avec leurs achats. Ils ont le pouvoir de dire oui, non. Ils ont un pouvoir, et là, puisque je représente aussi le monde de l'entreprise, ils ont le pouvoir de faire bouger les entreprises. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une entreprise que de perdre ses clients. C'est dramatique. Je vais vous dire une chose, nous, lundi matin, on regarde si on a gagné ou perdu des clients.
Si on a perdu des clients, c'est qu'on fait quelque chose de travers. Donc, les citoyens consommateurs aujourd'hui ont le pouvoir de dire « Nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites » ou « Nous sommes d'accord avec ce que vous faites ». Et ils ont donc une possibilité considérable de changer les choses. Mais pour cela... il faut que votre catalogue soit proprement en phase avec les attentes du public. Mais comment vous faites ça? C'est un peu entré dans les coulisses, mais j'aimerais bien savoir comment vous faites pour justement gérer cette adéquation entre une demande potentielle donc, du citoyen consommateur et puis votre catalogue, vos magasins. Bien, ça vient du, et là, ça parle également du pouvoir des entreprises, de faire des choses. Est-ce que les entreprises ont le pouvoir de bouger les choses? Oui. Oui. Qu'ils ne disent pas qu'elles ne peuvent pas le faire. Oui, quand vous parlez facteur 4, définir par 4 nos émissions énergétiques. Oui, on peut le faire. Et vous parlez donc pour répondre à ces produits. Offrons les produits que les gens veulent. Qu'est-ce que c'est, vous parlez des produits à énergie renouvelable? Eh bien, c'est quand même plus intéressant. Prenons ce produit. Vous savez d'où il vient, le produit dont vous parlez, énergie renouvelable, avec une petite manivelle. Il vient d'Afrique. C'est un produit qui a été lancé par Mandela avec une entreprise sud-africaine qui s'appelle Freeplay, parce que les gens de la brousse n'avaient pas de piles. Donc, ils n'avaient pas de radio, ils n'arrivaient pas à passer des messages. Donc, quand il y avait des épidémies et autres, ils ne pouvaient pas communiquer avec les gens de la brousse. Donc, ils ont inventé une espèce de système de dynamo, perfectionné, faire des radios, et puis après, ils sont devenus des torches, etc., à haute, avec une très grosse capacité, et pour un prix extrêmement bas. Ce programme a tellement bien marché qu'il a été ensuite développé par l'ONU. Et on est en train d'apprendre de l'Afrique. Et nous, en France, pourquoi on ne ferait pas la même chose? Et bien voilà ce qu'on a fait. Nous, on a pris ce programme, on l'a proposé aux clients, à nos clients. Ça a été un malheur. Et c'est tellement plus intelligent. Vous ne croyez pas qu'on se sent mieux, quand même, de se dire, j'achète ce produit, et là... Je ne vais pas acheter mes piles bâtonnées partout avec du plomb tous les côtés. Mais c'est pareil pour les voitures. Moi, j'ai une voiture. C'est une voiture Prius hybride. Il y a encore 5 ans, je me baladais avec une magnifique Volvo. On m'a dit que c'était la voiture écologique. Alors, pour faire... La Prius est peut-être trop chère aujourd'hui, mais ça... On va en parler, parce que ça, c'est le problème des politiques. 10 000 euros. Hein, je vais en parler des politiques, euros de, prime. De la responsabilité fiscale des politiques. Le débat va commencer. Vous savez, François, ce qu'on va faire? On va tout de suite demander une première question. Je sais que si vous prenez le micro qui est là, voilà, on va attaquer tout de suite ce débat. Sinon, voilà, allez-y, je vous en prie. Bonjour, je vais rebondir sur ce que disait François Lemarchand, qui avait une vision assez idéaliste, vu qu'il nous parle d'offrir aux consommateurs ce qu'ils veulent. On sait qu'en marketing, c'est la première erreur à ne pas faire, et d'une entreprise qui est au service des hommes. Je voulais tout simplement demander si, pour une entreprise dont le premier objectif, malheureusement, est quand même concrètement de maximiser ses profits, en quoi ils pensaient que c'était compatible avec le développement durable? Est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait d'autres entreprises, pas comme Nature Découverte, qui bien sûr sont sur le créneau du développement et qui jouent sur ces valeurs-là, mais d'autres entreprises qui ne sont pas sur ce créneau? Est-ce que c'est vraiment rentable pour elles d'investir dans le développement durable? Et est-ce que vous pensez que ces entreprises sont capables et veulent le faire? Question pour François Lemarchand. Je vais vous dire qu'elle n'a pas le choix. L'entreprise n'a pas le choix. C'est une question de survie maintenant. Puisque ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les consommateurs sont en train de changer radicalement. Et je parlais du droit de vote des consommateurs. Et elles ne vont pas accepter longtemps que les entreprises ne fassent rien. Et je pense que les uns et les autres, vous le savez bien, on va dire on aime ou on n'aime pas. Donc, que l'entreprise soit vertueuse, si elle ne l'est pas naturellement, elle le sera par obligation. Mais avec la poussée de ses clients et avec l'aide de l'État, et on parlait tout à l'heure des politiques fiscales qui sont des puissantes incentives, parce qu'il ne faut pas oublier quand une entreprise, on sait compter. Hein, et que si les choses ne sont pas chères, eh bien on va pas être vertueux, ils ne seront pas vertueux facilement. Donc, ils se rendent compte, si quelque chose coûte cher, si l'énergie coûte très cher, eh bien, on fera en sorte pour qu'on trouve un autre moyen. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui ne sont pas assez chères, entre autres dans l'énergie. Alors, vous me demandez, est-ce que tout ça, c'est du marketing, etc. Et je ne sais pas ce qu'on vous apprend à votre école, mais je m'inscris complètement en faux quand on dit que le marketing, c'est offrir aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Alors, là, je ne sais pas où vous avez appris ça.
Mais il faut brûler votre prof. Je pense que l'entreprise, elle est là au service des hommes. Il faut se rappeler ça. Elle n'est pas au service des actionnaires. Ce n'est pas vrai. C'est une récompense qu'on donne aux actionnaires. Vous savez, regardez dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a au XVIIIe siècle, en Angleterre, dans les pays développés, on donnait, quelqu'un qui voulait faire l'entreprise, on lui donnait une patente. C'est intéressant l'histoire de la patente. Vous avez droit, vous, entreprise, de commercer, de faire d'industrie, de faire un certain nombre d'actions. On vous donne un droit de vous enrichir, mais on vous donne un devoir, servir la communauté, servir les gens, faire le bien, donner des boulots. C'était ça, la patente. C'était les patentes royales. Bon, alors, c'était un autre système. Mais il y avait une responsabilité. Et on était de quelque part. Une entreprise était de quelque part. Et quand on n'avait pas, et quand on ne respectait pas ses engagements, eh bien, la communauté vous sanctionnait. Elle vous sanctionnait en plus, en moins, mais vous sanctionnait. Et voilà le vrai problème aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore de quelque part? Il faut absolument que les entreprises redeviennent de quelque part. Et que si on donne un vrai service, et si on répond correctement aux aspirations fondamentales de son public, et aujourd'hui les aspirations fondamentales, on sait qu'elles sont écologiques, on sait qu'on doit préparer le monde de demain pour nos enfants, on sait qu'on doit les éduquer, eh bien si on répond à ces aspirations fondamentales, on en sera récompensé. Et la récompense, c'est les résultats. Et le profit, ensuite, est réutilisé pour de nouveau aller encore plus loin. Alors, je sais que votre question devait être intéressante parce que nos deux intervenants veulent aussi donner des éclairages sur cette question. D'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet, ensuite François Moisan. Allez-y. C'est bon, parce que je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle les entreprises sentent qu'elles ont besoin de se bouger, c'est pour diminuer leurs risques. Et ça, c'est quelque chose auquel les entreprises, vous ne mentirez pas, sont naturellement, c'est bien raisonnable, très sensibles. Elles sont exposées à toutes sortes de risques. Il y a le risque client, il y a le risque bancaire. Elles font face à toutes sortes de risques et leur survie est liée au fait de surmonter ces risques successifs. Et l'environnement, il est associé à deux risques pour elles. Un risque image, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a une très très grosse saloperie dans une de leurs usines ou dans une, ça abîme beaucoup leur marque. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'entreprises ont tendance à filialiser les risques et une des raisons pour laquelle les pouvoirs publics ont une mission qui est de faire en sorte que le risque ne soit pas éternellement filialisable. Il faut que les entreprises puissent être considérées comme responsables des bêtises ou des horreurs qui se font chez leurs filiales ou chez leurs fournisseurs. Je pense à du travail des enfants, des choses comme ça. Je ne pense pas à toutes les entreprises nécessairement. Donc il y a un risque image qu'elles sont invitées de plus en plus à gérer, qu'elles ont besoin de gérer. Et puis il y a leur exposition au risque écologique à moyen long terme qui va être de plus en plus pris en compte dans leur valorisation. Et là-dessus, je prends un exemple. J'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale de la mission d'information sur l'effet de serre. Une trentaine de députés qui ont bossé sur l'effet de serre, qui ont rendu un rapport au printemps dernier. Eh bien, il y a eu un déclic très, très fort chez mes collègues le jour de l'audition des assureurs. On avait auditionné les scientifiques, mais quelque part, on avait ce qu'on attendait des scientifiques. Mais les assureurs, ils ont été beaucoup plus loin qu'avait été tout le monde. Ils ont montré leur graphique et ils ont dit, voilà, nous, on est potentiellement en faillite. C'est pour nous la catastrophe. Pour les réassureurs, plus la catastrophe encore. Regardez tout ce qu'on s'est pris dans la tête les années dernières. Donc d'abord, en ce moment, on est en train d'augmenter nos primes de 50%. Et puis, il y a des choses qu'on ne va plus assurer. Et puis, on est en train de remettre en cause tout notre modèle de prise en compte des risques. Et ça, c'est un levier très, très puissant aussi. Donc le risque est un deuxième levier, après ou avant le consommateur, je ne sais pas, mais le risque est un deuxième levier qui incite les entreprises à bouger très vite et très fort. Merci. François Moisan. Oui, je voulais dans le même sens que Nathalie Kosciusko-Morizet et donner un exemple sur un troisième volet. On a fait une enquête auprès du SBF 120. Le SBF 120, c'est les 120 premières grandes entreprises classées en bourse. Et on a fait ça avec AXA, justement, avec un assureur, pour essayer de voir quelles étaient la sensibilité des grandes entreprises françaises, effectivement, là, plus spécifiquement sur le changement climatique, comment elles le considèrent, est-ce qu'elles considèrent que c'est un risque, une opportunité. 57% considèrent que c'est un risque pour elles, effectivement, parce que, alors, ça peut être à cause des impacts, mais ça peut être aussi et surtout parce qu'il va y avoir des normes, elles vont être contraintes d'évoluer.
Mais 65% considèrent que c'est aussi une opportunité parce qu'il va y avoir des produits, il va y avoir des technologies qu'elles vont pouvoir mettre sur le marché justement pour se préparer et évoluer. Donc on voit bien que pour elles, ces entreprises, pour répondre aussi à votre question, ce n'est pas quelque chose qui leur vient d'ailleurs, qui est complètement en dehors de leur activité et même de leur profit. Ça fait partie du cœur de métier. Mais je voudrais souligner dans ce qui ressort de cette enquête quand même et qui là, à mon sens, pose problème, c'est que les entreprises sont face à des clients, mais sont face aussi à des actionnaires et des investisseurs. Et je pense que c'est à travers les investisseurs ne voient finalement que le côté risque et ont du mal encore à apprécier de quelle façon investir dans une entreprise, le risque climatique par exemple, est quelque chose à prendre en compte. Il n'y a que 0,1% des actifs mondiaux qui font l'objet de prise en compte de la dimension changement climatique. Donc ça, je pense que c'est du côté des investisseurs, les fonds de pension par exemple, qui a des responsabilités, où là il y a des visions beaucoup trop court terme. Très bien. Madame, vous aviez une question, on va vous amener un micro, voilà. Ah, ou une remarque. Il fonctionne ? Non ? Ah ? Si ? Parlez très fort, on va peut-être vous entendre. Allez-y. Oui, je suis déléguée générale d'une association environnementale qui s'appelle ORE, qui regroupe une centaine d'adhérents qui sont des entreprises et qui sont aussi des grands groupes. Et voilà. Ça marche. Donc, je témoigne également à travers cela de l'intérêt des entreprises d'intégrer l'environnement dans leur stratégie, c'est-à-dire que l'environnement et l'écologie peut être facteur d'économie. Donc, Madame Kosciusko-Morizet a évoqué les risques. C'est évident, le risque, c'est très important pour l'entreprise, mais également dans les sources d'économie possibles à travers l'éco-conception, à travers une meilleure gestion des transports. Il y a certains grands groupes comme Carrefour, Auchan, qui travaillent justement sur une meilleure gestion, tout simplement une meilleure gestion de l'entreprise. Parce qu'il y a d'un côté les produits, certes, mais il y a également, dans le fonctionnement même de l'entreprise, des économies d'échelle à faire. Et je pense que M. Le Marchand pourra aussi témoigner, puisque dans certains magasins Nature et Découverte, il y a, dans la gestion même des magasins, une intégration, une internalisation de l'écologie dans le fonctionnement même de l'entreprise. Alors, c'est peut-être un peu pour vous, François Le Marchand. Comment vous intégrez donc la notion écologique, le facteur écologique à l'intérieur de votre entreprise, notamment d'ailleurs en interne ? Parce que vos employés sont assez motivés par la question de l'environnement. Oui, ça me permet de rebondir sur deux points. Premièrement, quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut réduire l'impact écologique des entreprises ? Le fameux facteur 4, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un engagement qui a été pris pour que d'ici 2050, on réduise par 4 les consommations de gaz à effet de serre dans les pays occidentaux signataires. Dans la France, oui. Divisé par 4. Eh bien, on peut le faire. Et ça, je peux le faire. Je vais vous donner juste un exemple. Quand vous avez des gens dans une entreprise qui sont motivés, c'est extraordinaire, une entreprise. Une entreprise, on a des gens motivés, des gens futés, on a de l'argent, on a de la souplesse, et si on a la volonté, on a fait des choses extraordinaires. Je vois tous les transports, par exemple, on vous disait que 25% des 20% c'est les transports de marchandises. Sur les transports de marchandises, en 2 ans de temps, on a mis des camions à gaz, on a commencé le ferroutage, on a commencé à travailler sur la taille des emballages. J'ai vu qu'il y avait des produits qui étaient auparavant qui prenaient beaucoup de place, qui ont été mis sous vide de façon à ce qu'ils prennent le moins de place possible. Et on est en train de réduire à toute vitesse le nombre de kilomètres, le volume de produits qui est transporté, et donc, si vous voulez, bien entendu, le CO2 qui est dégagé par nos camions dans les transports. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de solutions comme ça, et on peut en citer des quantités. Toutes les semaines, les gens de l'entreprise viennent avec des solutions. Et tout à l'heure, on a parlé du pouvoir des consommateurs, on a parlé du pouvoir du risque, on a parlé des pouvoirs des politiques. J'en ajouterai un, qui est très important. Le pouvoir des gens qui travaillent dans les entreprises. Parce que les entreprises, c'est fait d'hommes, de femmes, qui ont des convictions, qui ont des enfants et qui ont envie d'être fiers de ce qu'ils font, qui n'ont pas envie d'avoir la honte.
Et je veux dire qu'il y a des entreprises, j'aurais la honte de travailler dans ces boîtes-là. Et ils ont envie d'être contents, et ils ont envie d'être motivés. Et juste un petit chiffre. J'ai de temps en temps, je vais intervenir dans des grandes écoles telles qu'HEC. J'ai découvert avec ahurissement qu'il y a 23% des promotions d'HEC qui ne veulent pas travailler dans le système actuel et qui veulent travailler pour des ONG parce que le système des industries, des entreprises actuelles ne leur déplaît dans leur finalité. Eh bien, écoutez, un général qui perd ses officiers, en général, il a un problème. Et là, les officiers, ce sont les nouvelles générations des écoles de commerce. S'ils ne veulent pas travailler dans le système, s'ils ne veulent pas servir les entreprises, elles ont un sacré souci. Alors, autre question, le monsieur qui est... Ah voilà, bah, écoutez, oui, allez-y, oui. Vous avez le micro. Moi, déjà, je vais répondre au jeune homme qui a posé la première question. Oui. Dans mon cours hier, pas plus tard qu'hier... Parce que vous êtes dans quelle école? Je suis une école dans un cursus d'assurance, oui, au CNAM. Mm-hmm. Et pas plus tard, j'avais une introduction à la gestion de risque qui me disait, et le professeur essayait de nous convaincre, qu'un risque bien assuré était une entreprise qui s'investissait dans le développement durable. Les primes étaient moins chères pour ses clients, et lui disait, grosso modo, on n'a pas besoin de verser des prestations énormes quand on assure une entreprise qui s'investit pour le développement durable. Et à la fin, tout le monde s'y retrouve, c'est du gagnant-gagnant. Mais alors ma question est la suivante. Imaginons dans 50 ans qu'on soit dans le meilleur des mondes possibles et que, grosso modo, toutes les voitures soient équipées au biocarburant et que en France, nos agriculteurs soient susceptibles de fournir toute l'énergie et la matière nécessaire pour fournir les biocarburants et en consommation suffisante pour toute la nation. Mmh. Qu'est-ce qui nous garantit que dans 50 ans, on n'aura pas des problèmes d'environnement eu égard à la pression que peuvent exercer justement les cultures intensives, comme on en a connu dans d'autres occasions, il y a 30 ans, en Bretagne ou dans d'autres régions de France? C'était votre question, monsieur, aussi voilà. Prenez le micro, complétez là, parce que si c'est le même sujet, on va enrichir la question. C'est le même sujet pour insister sur l'aberration du modèle alimentaire dans lequel nous sommes, qui est le modèle non durable par excellence, et Nathalie Kosciusko-Morizet le sait bien. Mais tout ça dépend aussi du comportement des consommateurs, probablement, mais aussi d'une grande responsabilité de l'État, des choix politiques qui ont été faits depuis 20, 30 ans, 40 ans, gauche-droite d'ailleurs, il n'y a pas d'opposition d'ailleurs entre les deux stratégies, elles étaient toutes les mêmes, c'est-à-dire délocaliser, pour des raisons d'efficacité, standardiser, spécialiser les régions et arriver à un système complètement éclaté, avec les longs transports que l'on connaît aujourd'hui, où l'aliment fait trois fois le tour de la Terre avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. Et puis, bien sûr, gaspillage d'énergie à la clé, pollution avec. Le modèle alimentaire actuel fonctionne sur un gigantesque mensonge qui fait croire que la production, la technologie et la production actuellement par les engrais et les pesticides est ce qui est le plus productif. C'est complètement faux. C'est une aberration parce que c'est les agricultures paysannes qui sont de 100 à 1000 fois plus productives par unité de producteurs. Mais quand vous chassez les paysans de la terre pour les remplacer par des molécules chimiques, effectivement, avec peu de paysans, vous ne pouvez pas faire une agriculture biologique, par exemple. Et tout ça fonctionne, je dirais, sans caricature presque, sur un détournement de fonds publics où nos impôts servent à subventionner ce système qui fait la prospérité de la pétrochimie, de l'industrie lourde, sous l'alibi de l'agriculture, qui sert de passage, en quelque sorte, ou de vase communicant, mais qui n'en profite pas, parce qu'une exploitation, encore en France, disparaît tous les quarts d'heure. Donc, vous voyez, c'est un système complètement... C'est le Titanic. C'est le Titanic agroalimentaire. Alors, moi, je voudrais que les gens qui sont à la tribune essaient de nous proposer des solutions. Bien sûr, les consommateurs ont une grande responsabilité. C'est d'aller acheter des produits qui sont conformes. On parle beaucoup de commerce équitable. Il faut aussi parler de commerce équitable nord-nord et pas forcément nord-sud. Pour aller acheter à proximité, c'est la seule façon de relocaliser cette économie et de faire en sorte que des régions comme le Limousin, on a fait un audit, mais il y a d'autres régions, presque toutes les régions de France, à part la Bretagne, le Languedoc-Roussillon et les Pays de Loire, ne produisent plus que quelques pourcents, 8-10% des produits qu'ils consomment. Tout le restant, ça vient de l'au bout de la terre. Vous voyez le gisement de richesse et d'emploi, c'est extraordinaire. Simplement, si on veut relocaliser un peu, je ne parle même pas d'autarcie. Voilà. Bon, alors, François Moisan. Ah ouais. Une question là-bas. Ouais. On va essayer de répondre. On va vous donner le micro, madame, mais on va d'abord essayer de répondre à monsieur. Parce que j'avais une
une question complémentaire. Ah bon, mais oui, alors de complémentaire en complémentaire. Ah, non, attendez, on va essayer de répondre déjà, je vous donne la parole juste après. Monsieur Moisan, au fond, la question de première, c'était, au fond, mais si, dans le meilleur des mondes, imaginons que ce biocarburant se développe, eh bien, on n'a pas assez d'espace, ne serait que pour fabriquer le biocarburant. Bon, il faudrait que la totalité de la surface française soit couverte de colza, ce qui est absolument impossible. Alors, comment on fait ? Non, mais rapidement, effectivement, d'ailleurs, ce n'était pas qu'une question d'espace, c'est une question d'impact aussi sur les phytosanitaires, exactement, de l'eau, la consommation d'eau. Actuellement, effectivement, on est ce qu'on appelle la première génération des biocarburants. On fait du blé, on utilise les graines, le fruit, le blé, la betterave, le colza, pour faire des biocarburants. Alors, ça a une utilité, mais on sait bien qu'il faudra passer à une deuxième génération de biocarburants, et notamment pouvoir utiliser la partie la moins noble de la plante, ce qu'on appelle le lignocellulosique, transformer les pailles, le bois. Et malgré cela, il y a des recherches en cours, donc c'est des programmes de recherche, l'ADEME est investi sur cette technologie pour transformer le bois en biocarburant. Malgré cela, notre hypothèse, c'est qu'on ne pourra fournir qu'au mieux la moitié des carburants qui sont consommés actuellement en France. Parce qu'il va y avoir une compétition sur les sols, il va y avoir une compétition sur les terres. Donc, en fait, quand vous dites en 2050, on n'a pas une image pour les transports et les véhicules, on n'a pas une image technologique qui nous dit, voilà, on va aller là. Actuellement, on sait qu'on pourra avoir des biocarburants, mais on sait qu'il nous faut d'autres alternatives. Et la première, c'est tout d'abord de réduire les déplacements en voiture. C'est ça. C'est d'aller vers une société où il y a moins de déplacements en voiture, des véhicules plus efficaces, plus légers. On n'a pas besoin de 2 tonnes pour faire à chaque fois de déplacer 2 tonnes pour se transporter de quelques kilomètres. Il faut innover, pas seulement sur changer l'essence qu'on va mettre dans le réservoir. Il y a d'autres choses qui viennent bien avant. Alors, on aura effectivement peut-être et certainement des biocarburants, mais il y aura aussi d'autres alternatives à regarder, peut-être hydrogène, les piles à combustible ou d'autres carburants. Mais actuellement, le problème qu'on a, moi je dirais, c'est le délai. Parce qu'on est en 2006, le taux de renouvellement d'un parc de véhicules, c'est 30 ans par rapport à une nouvelle technologie. Donc vous voyez que les délais sont courts. Nathalie Kouchko-Morizet, par rapport aux deux questions qui précèdent, est-ce que vous avez un commentaire particulier à faire ? Oui. Honnêtement, en l'état actuel des techniques, les biocarburants ont un intérêt tout à fait modeste. Ils ont un intérêt tout à fait modeste parce qu'on a besoin d'énergie pour produire le biocarburant. Le biocarburant, il ne sort pas de nulle part, donc on a besoin d'énergie. Et le bilan global est positif par rapport à l'effet de serre, par exemple, mais pas extraordinaire. Et ensuite, parce qu'en effet, on peut avoir des exigences plus fortes sur les protocoles de culture des biocarburants. Actuellement, les mises en culture de biocarburants correspondent plutôt à une agriculture intensive qui est celle dont on aimerait réduire la place. Moi, je crois néanmoins que la politique qui est menée sur les biocarburants est utile et je la soutiens pour la raison du mot qu'a utilisé François Moisan, prototype. Ce n'est pas parce que la première étape n'est pas complètement satisfaisante qu'on ne peut pas espérer mieux. Et en l'occurrence, on peut espérer quand même beaucoup de tout ce qu'on appelle l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, parce que quand on pourra utiliser toute la plante et pas seulement la graine, on aura une sortie énergétique qui aura un rendement bien meilleur que ce qu'on fait actuellement. Et puis on aura aussi des utilisations non énergétiques, par exemple les bioplastiques. En fait, on peut tout faire avec des produits d'origine agricole. Donc je crois qu'il faut poursuivre. Sur la question du modèle agricole actuel, il est assez essoufflé, c'est certain. On ne peut pas le rejeter complètement. Et je comprends le ras-le-bol de certains agriculteurs qui disent « Attendez, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous a poussés dans cette voie-là. Et maintenant, on nous dit « Vous êtes des pollueurs » et on nous tape dessus. » Les agriculteurs, ils ont suivi une politique qui leur a été proposée parce qu'après la guerre, on a voulu arriver à l'indépendance alimentaire. On a beaucoup investi dans la mécanisation, on a beaucoup investi dans l'intensification, et ça correspondait à une démarche et à une époque qui maintenant peuvent paraître complètement éculées, mais qui avait sa logique à l'époque. Et les agriculteurs supportent mal cette impression qu'ils ont d'être diabolisés. Alors, bon, il y en a qui ont leur part de responsabilité, mais voilà, il n'y a pas une responsabilité collective là-dessus. Pour moi, il y a un scandale en particulier dans l'agriculture en ce moment, et ça, on doit pouvoir le rétablir rapidement, c'est le fait qu'on importe entre 50 et 80% du bio qu'on consomme. Le bio, c'est un cahier des charges environnemental. On achète souvent du bio sur un motif santé. C'est vrai qu'il y a un motif santé. Par exemple, on peut avoir
des doutes et des réticences sur l'utilisation excessive des pesticides qui posent un certain nombre de problèmes de santé qu'on est en train de documenter de mieux en mieux. Bon, bah, quand vous achetez un fruit en bio, il n'y a pas de pesticides, c'est quand même mieux. Donc, pour l'acheteur, il y a une dimension santé. Enfin, le cahier des charges du bio, il est surtout environnement. C'est quand même emmerdant qu'on aille acheter entre 50 et 80% du bio qu'on consomme dans ce pays à l'extérieur et notamment en Allemagne, c'est-à-dire qu'on subventionne la défense de l'environnement en Allemagne. Il y a des raisons à ça qui sont des raisons historiques et culturelles et puis aussi des raisons de filière, c'est-à-dire qu'il y a des filières qui ont eu énormément de mal à se mettre en place. Je prends un seul exemple que je connais bien, c'est le bio dans la vente bio. Mais pendant des années, les agriculteurs qui ont fait de la vente bio n'ont pas pu la commercialiser en viande bio parce que ils utilisaient de la mélasse. La mélasse, vous savez, c'est ce que vous mettez sur le foin pour que la vache soit plus motivée pour le manger quand le foin est un petit peu pourri. Et la mélasse, on n'en trouvait pas en France en mélasse bio. Et donc, comme il y avait un seul truc qui n'était pas bio dans toute la ferme, la vente ne pouvait pas être vendue en bio. Et donc, l'agriculteur ne pouvait pas valoriser à un prix supérieur qui était nécessaire parce qu'il est moins, il est moins productif sa production. C'est en train de s'arranger et c'est en train de s'arranger progressivement, mais simplement c'est vrai qu'on a du retard par rapport aux voisins et on a maintenant rattrapé les 50 à 80% qu'on produit ailleurs. Et un dernier truc, les collectivités, et je boucle sur la première question, les collectivités et l'État peuvent être d'une très grande utilité en créant le marché. Il y a des conseils généraux et des conseils régionaux qui propose de mettre ça en place. Si je vous dis que le premier qui va mettre ses cantines en bio... C'est les Hauts-de-Seine. Vous allez me dire que je fais de la politique, mais c'est vrai. Il se trouve que le Conseil général des Hauts-de-Seine veut passer ses cantines en bio en ce moment. Ah, vous avez écouté Nicolas Sarkozy ce matin. Alors, madame, je vous avais promis la parole, et puis ensuite, monsieur. Et puis après, on va continuer. Oui, oui, les intervenants ont répondu en partie à mes questions, mais j'en ai deux autres. C'est sur le fait d'abord d'appeler les biocarburants biocarburants. Est-ce que ce n'est pas un peu comme le bio de Danone? Est-ce que ce n'est pas un peu du marketing, ça aussi? Et je pense qu'il serait peut-être intéressant d'avoir une autre appellation. La seconde chose, et on l'a vu tout à l'heure, les biocarburants sont très, très consommateurs de phytosanitaires, d'énergie. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a eu un bilan? Vous avez parlé d'un bilan, mais est-ce qu'il était fait de façon vraiment exhaustive? Et qu'est-ce qu'il donne en termes de chiffres, hein? C'est ça qui m'intéresse. Et puis la troisième chose, c'est que on voit qu'on ne subventionne absolument pas aujourd'hui l'agriculture biologique. Vous en parlez, il faudrait, mais on n'en parle pas. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les dernières interventions pour lancer le biocarburant? On n'a jamais entendu parler de soutien à l'agriculture biologique. Et qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Qu'est-ce qui est prévu dans ce domaine et à quel niveau? Vous avez un micro là, mais alors faites court. Je vais simplement dire qu'il faudrait que l'État soit cohérent, que le gouvernement soit cohérent. Quand il dit qu'il va réduire l'utilisation des pesticides de 50% en France et qu'il déclare ça avec tambour et trompette et que quelques mois après, il cherche des ennuis à des gens qui font le purin d'ortie, par exemple, qui sont des produits naturels, que nous n'avons plus le droit d'utiliser. C'est le seul produit naturel que nous pouvons utiliser en agriculture biologique. Là, il y a vraiment un scandale. Permettez, madame, je vous assure, on va vous répondre. Moi, je suis président de la commission nationale du label AB au ministère de l'Agriculture. Et je peux vous dire que le débat, il est très vif, parce qu'on se demande si cette commission a encore une utilité, quand ce même gouvernement qui nomme une commission pour développer une agriculture de qualité, lui retire en même temps tous les moyens de le faire, après lui avoir enlevé les moyens financiers. On va vous répondre, monsieur. De votre faute, hein, c'est pas vous que j'attaque. Alors, voilà. Il n'est pas indispensable. Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, mais sans doute, mais c'est pas indispensable, c'est une bonne question, pour le dire. Alors attendez, je les prends dans l'ordre. Sur le biocarburant, oui, le terme biocarburant, ça veut dire carburant agricole. Donc, ça veut dire carburant d'origine agricole. Alors, bon, le mot bio, en effet, à cause de l'affaire des yaourts bio, est très disputé entre les uns et les autres. On peut peut-être l'appeler autrement, mais bon, c'est vrai qu'ils ont toujours été appelés comme ça. Sur le bilan, je sais qu'il y a eu le groupe Prost qui a fait un bilan. Il y avait eu un autre bilan avant, mais certainement, François pourra répondre de façon très, très précise. Il y a eu des bilans cycle de vie qui ont été faits sur l'avantage écologique ou pas des biocarburants, sachant que de toute façon, ça dépend énormément de la manière dont vous produisez votre biocarburant. C'est-à-dire que, par exemple, si dans le tracteur que vous utilisez pour produire le biocarburant, vous mettez l'huile végétale pure que vous avez produite par ailleurs sur votre exploitation, votre bilan est meilleur que si votre tracteur roule à l'essence. Donc après, il y a un large éventail de façons de produire du biocarburant. Et ce qu'il faut, et je crois que c'est en train de se mettre en place, c'est
avoir des cahiers des charges sur la production du biocarburant de telle sorte que le résultat soit vraiment positif. Sur la subvention agriculture bio, il y a des subventions. Le problème de l'agriculture bio, c'est que le cahier des charges, en fait, nécessite d'avoir plusieurs années de transition. Et c'est la transition qui est la plus difficile. La transition, ça consiste en fait à dire que votre terre doit se désintoxiquer. Et pour qu'elle se désintoxique, pendant un certain nombre d'années, vous devez travailler la terre comme si vous étiez en bio, mais vous ne pouvez pas vendre avec le label, et donc vous ne pouvez pas vendre au prix du bio. Donc vous n'avez pas la prime qui vous permet de justifier la différence. Et c'est cette transition qui est difficile à gérer. Sur la question du purin d'ortie, moi, j'avais sauté en l'air quand j'ai entendu ça, d'autant plus que, si vous voulez, là, c'est difficile à dire ça, comment dire ça diplomatiquement. Bon, il arrive que nous votions dans l'hémicycle des choses et que nous soyons très surpris des décrets qui sortent des ministères après, parce que ça n'est pas comme ça que nous l'avions compris quand nous l'avions voté. Alors, nous avons voté... Voilà, je vous le dis. On va tout savoir. Nous avons voté dans l'hémicycle une disposition qui disait, compte tenu de la... dangerosité d'un certain nombre de produits, c'est comme ça que c'était amené, il faut une homologation pour pouvoir vendre des produits phytosanitaires, des produits qui sont destinés aux soins des plantes. Bon, dit comme ça, ça paraît raisonnable. Après, on a vu sortir du ministère, et puis ça devait être appliqué par décret, bon, c'est quelque chose de traditionnel. Donc nous, on avait voté notre morceau de loi qui, encore une fois, que moi je défends toujours, parce que je trouve qu'écrit comme on l'a écrit, il est raisonnable. Et puis on a vu sortir du ministère un décret qui nous disait on ne peut plus rien vendre, et surtout on ne peut pas faire de publicité sur un produit qui n'est pas homologué dûment par les commissions habituelles qui homologuent les produits de l'industrie chimique pour les phytosanitaires, et qui a été interprété, semble-t-il, dans certains départements et par certains contrôleurs, comme on ne peut même pas mettre sur Internet la recette pour faire son purin d'ortie. Ce qui allait quand même très loin, vous en conviendrez, par rapport à l'intention initiale. Donc, on s'est mobilisé auprès du ministre, et moi j'ai reçu récemment une réponse, et j'espère qu'elle va être envoyée dans les départements pour que les contrôleurs soient... Mais je crois que ça va être fait pour que les contrôleurs soient... Qui disait, attention, il n'est absolument pas interdit de faire chez soi ce qu'on veut, et notamment d'utiliser les recettes traditionnelles de l'agriculture, donc de faire son purin d'ortie. Il n'est absolument pas interdit d'échanger... sur ces pratiques-là. En revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de la commercialisation, type... Pourvu si ça n'a pas été, d'une manière ou d'une autre, agréé. Mais ça, c'est quelque chose de complètement traditionnel. Et je vais vous dire, ça n'avait pas besoin de loi, parce que c'était déjà le cas. Actuellement, vous n'avez pas le droit de vendre quelque chose qui n'est pas agréé. Par exemple, si vous faites des confitures chez vous, c'est comme ça. Non, mais si vous faites des confitures chez vous, vous avez le droit de les vendre à la brocante ou à machin parce qu'il y a une tolérance, mais vous n'avez pas le droit, et au marché parce qu'il y a une tolérance, si vous avez payé votre droit au marché, mais vous n'avez pas le droit de les vendre au supermarché. C'est comme ça. Mais ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. En revanche, ce qui était nouveau, et ça c'était un dérèglement par rapport à ce qu'on avait voté, c'est que ça a été interprété comme on n'a plus le droit de le faire, on n'a plus le droit d'échanger la recette, on n'a plus le droit d'en parler, on doit faire comme si ça n'avait jamais été fait. Et ça, évidemment, ce n'était pas du tout l'objectif. Enfin, en tout cas, ce n'était pas l'objectif de ce qu'on avait voté, nous. Très intéressante mise au point. Ah, attendez, on va passer la parole au monsieur qui a un micro, s'il vous plaît, dans l'ordre, et ensuite monsieur qui a demandé la parole après. Oui, pour finir là-dessus. Chut. Une réponse de Nathalie, et puis. Ouais. Si vous voulez, ouais, je peux pas faire un procès en mauvaise intention au fonctionnaire qui a rédigé le décret. Ce qui est certain, c'est que nous, quand on a voté la disposition, on n'a jamais pensé qu'il y avait un contrôleur qui, sur la base de cette disposition, allait interdire le purin d'ortie. Et on est remonté au créneau derrière pour dire « Arrêtez vos conneries, ça ne correspond pas à une interdiction du purin d'ortie ». Pourquoi est-ce qu'il y a entre-temps un fonctionnaire qui a rédigé de cette manière-là le décret et un contrôleur qui s'est cru habilité à aller mettre une amende à un gars parce qu'il faisait du purin d'ortie ? Ça, si vous voulez, j'en sais rien, je ne le connais pas, ce contrôleur-là, et je ne peux pas lui faire un procès en responsabilité, là, et en plus qu'il n'est pas là pour se défendre, mais...
Je crois qu'elle a été très claire, là. Oui. Monsieur. Je rebondirai juste simplement sur la notion de cohérence au niveau de l'État et des actions de l'État. Simplement par rapport, vous parlez du bio et de la volonté, effectivement, d'arrêter d'importer du bio, donc de le produire en France. Et en même temps, on entendait, il y a 7% de volonté de l'État, au niveau des volontés de l'État écologique, 7% sur l'interdiction des OGM, alors qu'il n'y a rien de plus incontrôlable que les pollens et la prolifération de ce genre de... Donc simplement, c'est par rapport à la production bio, tout en parallèle, une faible volonté d'interdire les OGM. Vous dites que l'État français ne se mobilise pas assez pour interdire les OGM, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Je ne comprends pas les 7%. Oui. Simplement, c'était par rapport aux 7% que vous aviez cités dans les volontés de l'État, 31%. Non, ce n'était pas l'État, c'était les citoyens. Les citoyens français, quand on leur demande quelle est la priorité en matière d'environnement, quelle est la première décision que prendrait le prochain président de la République, effectivement, l'interdiction des OGM arrive très bas. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour autant que l'État ne veut pas, ne souhaite pas. Pour autant, non, non, c'était les Français eux-mêmes. Peut-être j'entends à droite que peut-être qu'ils ne savent pas. Mais en tout cas, c'est la réalité du sondage. Aujourd'hui, quand on interroge les Français sur ça, ils ne mettent pas en priorité, si vous voulez, en haut de la liste, l'interdiction des OGM en France. Voilà. Enfin, mais par contre, je crois que par rapport aux OGM, les lois sont assez claires. Moi, je peux vous donner mon point de vue sur les OGM, si vous voulez. Moi, ce que je crois, c'est que... on revient sur la question du prototype. Les semenciers ont voulu nous imposer en matière d'OGM des prototypes. Donc des choses qui, au début, c'était le fameux problème des traceurs antibiotiques, n'étaient pas complètement finies du point de vue technique. Et puis après, ils ont voulu nous imposer des OGM qui présentaient éventuellement un intérêt pour les agriculteurs du point de vue du process, notamment un intérêt en termes de simplification. Un certain nombre d'agriculteurs qui apprécient d'ailleurs les OGM pour ça, parce que vous n'avez qu'un passage de pesticides. Enfin bon, il y a un certain nombre d'intérêts en termes de simplification, mais qui ne présentaient pas d'intérêt pour le consommateur. Le consommateur, qui n'est pas couillon, a dit qu'il ne voyait pas pourquoi on prendrait un risque pour l'environnement alors qu'il n'y avait pas de bénéfice en place. Pour moi, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on a une proposition en termes d'OGM de la part des semenciers dont on ne peut pas exclure qu'elle porte un risque sur l'environnement. Et en face, pas d'intérêt pour le consommateur, pas d'intérêt particulier pour le citoyen. Je ne trouve pas que ça doive dire qu'aucun OGM, sous réserve qu'on ait des garanties sur ses impacts, n'aura jamais aucun intérêt. Donc moi, personnellement, je suis favorable à ce qu'on continue et surtout à ce qu'on développe du côté public la recherche sur les OGM, parce que je pense qu'on a besoin d'une recherche indépendante sur la question des OGM, et qu'un des problèmes de la recherche OGM, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé à un moment avec 85 à 90% de la recherche sur les OGM qui était faite par les semenciers, et quasiment aucune recherche publique, ou au moins aucune recherche indépendante, parce qu'une part de la recherche publique était cofinancée par les semenciers. Moi, je suis favorable à ce qu'on développe la recherche sur les OGM et qu'on la garde pour l'instant à l'état de recherche, compte tenu du fait que ce qui est proposé ne justifie pas, ne correspond pas à un avantage qui justifie un risque qui n'a pas pu être totalement écarté. Je ne trouve pas qu'on doive tomber... Bon, je suis contre les arrachages de ce point de vue-là, parce qu'on en vient à arracher des champs qui sont des champs de l'INRA ou des champs qui sont destinés à des fins de recherche. Et ça, je trouve ça dommage. En revanche, je ne suis pas favorable à la généralisation, si vous voulez, de la culture OGM. C'est la raison pour laquelle j'avais projeté avec un certain nombre de collègues, il y en avait plus que 7%, c'est pour ça que je réagissais sur votre 7%, manifestement, ce n'est pas même 7%, non, c'est sondage d'amender le projet de loi sur les OGM qui a été vu en première lecture au Sénat et qui devait venir en première lecture à l'Assemblée, et notamment de l'amender dans le sens de plus de transparence sur le registre des cultures, dans le sens de l'insertion plus explicite du principe de précaution dans le texte, dans le sens de préciser que les indemnisations pouvaient être pluriannuelles quand le préjudice était pluriannuel, ce qui était un problème pour les agriculteurs bio, parce que ce qui était prévu, c'est que l'indemnisation elle soit seulement sur un an, alors que quand vous êtes en bio et que vous êtes déclassé sur plusieurs années.
toutes sortes d'amendements qui, manifestement, ne seront pas présentés, puisqu'en fait, on ne sait même pas si on réussira à faire la deuxième lecture du projet de loi sur l'eau, compte tenu du retard qui a été pris, notamment à cause du projet de loi GDF Suez et des 137 000 amendements qui nous ont un peu occupés, comme vous savez. Et donc, ce qui devait être passé rapidement, parce que c'était la transposition européenne sur les OGM, pour éviter qu'on ait une amende de 150 000 euros par jour de la part de la Commission européenne, il y a quand même des moyens plus intelligents de dépenser nos impôts, a été ou sera passé par décret, et le projet de loi attendra une prochaine législature. On n'aura pas le temps d'avoir le débat dans cette législature-là. Bien, on ne va pas faire le débat sur les OGM, parce que c'est vrai qu'en soi, on pourrait passer deux heures sur la question des OGM, qui est une question passionnante. Avant de vous passer la parole, monsieur, François Moisan, on a beaucoup parlé là, d'agriculture et de biocarburant. En fond, il y a un volet qu'il faut absolument aborder avant qu'on se sépare, de toute façon, c'est celle de l'énergie. Et vous m'avez parlé des bâtiments à énergie positive. Alors, je trouve ça, je ne suis pas sûr qu'on sache tous ce que c'est. J'aimerais bien que vous nous en parliez deux minutes, parce que qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment à énergie positive et en quoi ces bâtiments peuvent vraiment être une réalité dans les années à venir? Je voudrais réagir sur ce que vous me demandez, mais par rapport au débat qui vient d'avoir lieu. Moi, je vois une grande sensibilité à notre assiette. Ce qu'on mange, la santé, effectivement, c'est très important. Le bio, il n'y a pas que le bio, il y a aussi des circuits courts qui, des fois, n'arrivent pas à avoir le label bio. Mais je veux dire, pour moi, alors peut-être que c'est mon point de vue, mais il y a un problème qui est, vous l'évoquez, celui de l'énergie, du changement climatique. J'y reviens, je suis désolé, c'est peut-être mon dada. Mais est-ce qu'on pourra faire encore du bio dans 30 ans? Est-ce qu'on pourra faire encore de l'agriculture comme on le fait, ce qu'on a dans notre assiette dans 30 ans, dans 40 ans, et nos enfants? Je suis encore une fois, moi je suis tout à fait, je mange plutôt bio, mais je pense que cette question, elle est fondamentale et elle n'est pas forcément perçue par tous. Alors, je réponds à votre question sur les bâtiments à énergie positive, parce qu'effectivement, la maison, comme je le disais, c'est 22% nos émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est inéluctable? On se chauffe, on a tous besoin de s'éclairer, toutes les consommations d'électroménager. Or, on sait actuellement, donc ces 22%, ça peut être zéro. On sait qu'on peut faire des maisons qui sont suffisamment bien isolées, suffisamment performantes d'un point de vue énergétique. Nathalie Kosciusko-Morizet évoquait des logements sociaux qui seraient très performants énergétiquement, donc avec une faible facture énergétique, c'est aussi un point important. On sait faire des bâtiments qui seraient suffisamment isolés pour consommer très peu d'énergie et avec l'intégration des énergies renouvelables, du solaire passif, du solaire photovoltaïque, que cette maison soit exportatrice d'énergie. Et ça, je pense que l'horizon, c'est 2030. Pour donner un chiffre, actuellement, je donne 80 kWh par mètre carré par an, c'est la norme des constructions. En Suisse, il y a des logements à 50 kWh par mètre carré par an qui sont vendus, qui sont commercialisés. Ce n'est pas des prototypes, ça c'est commercialisé. Il y a une aide de l'État, hein, une bonification pour les prêts, c'est vendu. On sait en faire à 20 et on sait en faire à 0. Alors effectivement, actuellement, en faire à 0, il y a un surcoût. Mais on sait qu'en 2030, on pourra faire, s'il y a une volonté politique, parce que les technologies, elles sont là, il faut qu'elles soient appropriées par les acteurs de la construction. Donc je pense que là, on a un enjeu formidable. Le problème, évidemment, c'est qu'en 2030, il va rester encore beaucoup de maisons qui sont déjà construites actuellement. Mais on pourra aller aussi sur de la réhabilitation. Donc je pense qu'il faut quand même se donner des objectifs à long terme et pouvoir avancer vers ce qui est essentiel pour réduire. Et ça, le bâtiment, la maison, est quelque chose qui pourra être fait avec des technologies qui sont, encore une fois, disponibles. Merci, c'est une piste intéressante, je trouve. Monsieur. Oui, bonjour. Je partage tout à fait le point de vue de François Lemarchand quand il parle de pouvoir d'achat. Non pas entendu au sens de niveau de vie, mais de pouvoir du consommateur. Mais en même temps, vous n'avez pas parlé de position dominante comme la grande distribution. Face à la grande distribution, il est très difficile de faire jouer son pouvoir du consommateur quand on sait que la grande distribution contribue à la consommation irresponsable par le système permanent des promotions qui incite à réduire la durée de vie des produits et une très grande obsolescence des produits. Je ne parle pas dans la partie alimentaire, je parle de tous les biens d'équipement notamment. Alors, face au pouvoir de la grande distribution, comment être plus responsable dans sa consommation? Je pense que vous sous-estimez quelque chose de fondamental dans l'économie, c'est la concurrence et les avantages comparatifs. Si le public veut manger d'une façon bio, veut avoir des produits sains, je peux vous assurer
qu'il y aura bien une des chaînes de distribution qui va se mettre sur le coup. De la grande distribution, vous me parlez de la grande distribution. Hors alimentaire. Oui, enfin, de quoi, même dans les biens d'équipement. Par exemple, aujourd'hui, je veux dire, moi, en tant que consommateur comme nous tous, je suis absolument étonné que je vais acheter un appareil électroménager, un téléphone portatif ou un aspirateur. On m'explique qu'il n'y a plus rien qui tienne plus de 2 ans. Mais c'est débile. Alors on me dit, mais non, mais purée, mais avant, non, attendez, avant, il y avait des produits formidables qui duraient longtemps. Mais il n'y a plus d'offres là-dessus. Bien écoutez, moi, je suis en tant que chef d'entreprise, ça me titille la tête. Je veux dire, il y a une marque à lancer, là. Tiens, je vais offrir des appareils électroménagers qui vont durer 10 ans. 5 ans. Voilà ce que je veux dire, les appareils communs. C'est intéressant, le marché. Le marché est intéressant, parce que le marché appartient aux consommateurs, aux citoyens consommateurs. Et ils vont donner leur argent aux gens qui donnent des solutions intéressantes à leurs problèmes. Voilà. Attendez, pas tout le monde en même temps. Oui. Ouais. La question du pouvoir d'achat est une bonne question qui veut aborder. Je sais que monsieur a le micro, donc on va lui donner. Mais je voudrais bien qu'on réponde à la question de monsieur sur le pouvoir d'achat. Bah oui, le pouvoir d'achat. Nathalie Kosciusko-Morizet vous répond. Chut, on va essayer de terminer tranquillement. Voilà. C'est le sens de la fiscalité environnementale en général et d'un truc. Dont l'idée avait été lancée par Michel Barnier, c'était dans son bouquin en 1994, et que moi j'aimerais bien qu'on reprenne, là, que je veux pousser, qui est la TVE, la taxe à la valeur écologique. L'idée est la suivante. On a, avec la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, vous taxez, bon, selon certains barèmes, proportionnellement au prix du bien. Il faudrait pouvoir taxer de plus en plus, progressivement, proportionnellement à l'impact écologique du bien. Impact écologique sur l'utilisation et impact écologique sur le cycle de vie. L'idée serait qu'il ne faut pas que ce soit plus cher d'être vertueux. De préférence, il faudrait que ce soit moins cher, sachant qu'il faut aussi que les finances de l'État restent équilibrées. Mais il ne faut pas que ce soit plus cher d'être vertueux. Il faut voir que techniquement, ça existe déjà sur un certain nombre de primes et de systèmes de subventions, et c'est assez difficile à généraliser. Ça existe déjà sur un certain nombre de systèmes de subventions. Par exemple, quand vous achetez vos équipements de chauffage, vous avez maintenant jusqu'à 50% de crédit d'impôt sur certains équipements de chauffage. Si vous prenez la chaudière à bois, si vous prenez le chauffe-eau solaire, le ballon, chauffe-eau solaire, vous avez maintenant d'assez gros crédits d'impôt. On les a pour certains doublés. Si vous mettez du photovoltaïque récemment, on a doublé le prix de rachat du photovoltaïque s'il est, et on l'a multiplié par 3, s'il est intégré dans la maison quand vous le construisez. Bon, le problème, c'est que pour que ça devienne vraiment moins cher d'être vertueux, il faut que le marché se développe suffisamment pour que ça devienne standard. Et là, on se heurte à une autre dimension, qui est que sur certains produits, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de formation, notamment en matière d'habitat, et l'ADEME le sait bien, parce que c'est un peu leur boulot de développer la formation sur le secteur. En matière d'habitat, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà très rentables à faire en matière d'économie d'énergie, et qui sont quand même pas faites, qui sont très rentables, même avant la subvention, et avec la subvention, sur les 50%, encore plus. Et qui sont des solutions qui ne sont pourtant pas encore mises en œuvre, parce que du côté de l'installation, du côté de la technique, il n'y a pas eu une formation suffisante à ces technologies-là. C'est vraiment, en matière d'habitat et d'énergie renouvelable, c'est vraiment très très clair. Il y a des choses qui seraient intelligentes et financièrement très très efficaces et qui ne sont pas proposées actuellement par les installateurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a un problème du côté de la subvention et de l'approfondissement de tout ce qui est fiscalité écologique, mais il y a aussi un problème du côté de la formation, notamment du côté de la formation des populations, des professions intermédiaires qui sont la force de proposition auprès du consommateur final. Monsieur Moisan. Parce
Ouais. La taxe sur le carburant dans les avions, et il y avait un truc à l'Assemblée nationale la semaine dernière là-dessus. Et à mon avis, la prochaine priorité en matière de fiscalité environnementale, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Quand on en parle ADP et à tous ces gens-là, ils disent c'est vrai qu'on n'est pas du tout taxé sur notre carburant, mais on a une spécificité qui est que c'est nous qui payons notre propre sécurité. Et quand vous nous rajoutez des mesures de sécurité, du fait Vigipirate, etc., c'est nous qui les payons. Ce qui est vrai et ce qui est paradoxal, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est l'aviation qui paye en fait pour toutes les mesures de sécurité qu'on fait mettre dans les avions. Ceci dit, moi, je ne trouve pas que ce soit une limite rédhibitoire. S'il y a quelque chose à revoir du côté de la sécurité, d'ailleurs, je suis prête à la revoir, et je préférerais bien qu'on mette une taxe sur le kérosène qui soit à son vrai niveau. Alors, il y a actuellement, il faut le savoir, des discussions au niveau de l'Union européenne, parce qu'en fait, on est engagé dans une convention internationale dans laquelle on ne peut pas la mettre, la taxe sur les carburants, si ce n'est par un accord bilatéral avec le pays de l'Union européenne, d'où vient et où va l'avion. On pourrait se mettre d'accord tous ensemble au niveau de l'Union européenne pour faire la taxe en interne, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas la faire de façon unilatérale. On a pu la faire de façon unilatérale sur l'affaire du 1 euro sur les billets d'avion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été voté il y a un an, ça a été mis en place cet été. Il y a maintenant une taxe sur le billet d'avion pour abonder le Fonds mondial contre les pandémies, notamment contre le sida, mais aussi contre le palu. Ça, on a pu le faire de manière quasi unilatérale, parce qu'il n'y a que quelques pays du monde à ce stade qui se sont engagés avec nous, parce que du point de vue international, on n'était pas engagé sur cette question-là, on n'était pas engagé à ne pas le faire. Sur la fiscalité des carburants, on a des accords qui, en fait, nous permettent de taxer sous réserve d'accords avec les pays d'origine ou les pays de destination. Il faudrait pouvoir avancer au niveau de l'Union européenne. Moi, je souhaiterais beaucoup que la France soit force de proposition là-dessus. Actuellement, elle est plutôt dans une position plutôt favorable sur le sujet, mais pas nécessairement très, très motrice, sachant qu'il y a des pays qui, eux, sont franchement opposés. Et alors, je sais que l'Union européenne réfléchit à une directive sur la question pour forcer les pays qui sont franchement opposés. Vous savez qu'actuellement, c'est un petit problème institutionnel, mais actuellement, au niveau de l'Union européenne, toutes les questions fiscales, c'est à l'unanimité. On ne peut pas forcer un pays à choisir une fiscalité, à adopter une fiscalité s'il n'est pas d'accord. Si on passe par une directive et qu'on la fait sur le motif de l'effet de serre, on devrait pouvoir faire des pressions pour pouvoir faire tomber tout le monde d'accord. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, tous les pays n'étant pas d'accord sur la fiscalité du kérosène, ce n'est pas vraiment possible. Si la Commission se bouge enfin, et elle est en train de se bouger pour faire une directive et pour négocier ça dans une directive sur la base de l'effet de serre, ça deviendra possible. Ça augmentera très fortement le prix des billets d'avion. Moi, je pense que c'est inéluctable, mais il faut aussi être cohérent et il faut que vous en soyez conscient. Ça veut dire que les charters, les week-ends aux Antilles, pour un oui, pour un non, assez rapidement, ça va être fini. Encore une fois, je crois que c'est inéluctable, mais il faut aussi être conscient des conséquences. Bien. Oui. François Moisan, 10 secondes sur le pouvoir d'achat, et ensuite, monsieur, dernière question. Sur le pouvoir d'achat, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'on sorte d'ici avec l'idée que tout ce qui touche à l'environnement, ou à la maîtrise de l'énergie, c'est du luxe. Et que c'est... Quand on regarde, je suis sûr que dans chacune des maisons dans lesquelles nous habitons tous, il y a des possibilités d'économiser de 15 à 30% sur notre facture d'énergie annuelle de façon rentabilisée en un an ou deux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Alors, en plus, il y a des aides, comme l'a évoqué Nathalie Kosciusko-Morizet, à travers des crédits d'impôt, on met en place, nous, l'ADEME, au moins pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur maison. On met en place des espaces info-énergie avec les municipalités pour informer. Mais encore une fois, aussi, que chacun essaye de se renseigner. On peut gagner un décodeur qui reste allumé toute l'année. Ça reste allumé toute l'année. C'est plusieurs dizaines d'euros par an. Ces lampes, ces espèces de friteuses halogènes, c'est quelques dizaines d'euros par an. On a vite fait, on fait le tour, on regarde, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être économisées dans la maison. Et ça, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Monsieur, une dernière question, s'il vous plaît. Question courte, réponse courte de la part de nos invités. Allez-y. Oui, je voulais revenir sur les changements climatiques, la responsabilité des entreprises et le facteur 4. Je crois que si Jacques Chirac, demain matin, annonçait qu'il allait réduire les impôts par 4 jusqu'en 2050, ça ferait rire tout le monde. Quand il dit qu'il va réduire les émissions de gaz à effet de serre par 4, tout le monde a l'air de le prendre au sérieux. On voit que sur la responsabilité des entreprises aujourd'hui, je parle du point de vue de Kyoto, du marché carbone. Le marché carbone, vous l'avez dit tout à l'heure, ne marche pas aujourd'hui parce que toutes les entreprises se battent pour avoir plus de quotas qu'elles n'ont d'émissions. Donc,
Elles font de beaux rapports de développement durable, des beaux rapports environnementaux, mais dès qu'on touche à la substance de leur stratégie, à leurs finances, elles n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, très clairement. Donc aujourd'hui, tel qu'on est parti sur le marché carbone, le marché Kyoto, on est très 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 loin du facteur 4, on est peut-être même loin du facteur 2. Et quelle responsabilité, je veux dire, on a parlé tout à l'heure du lobbying des entreprises sur des aspects divers. C'est en tout cas extrêmement révélateur sur cet aspect du changement climatique et des engagements des entreprises. Dès qu'il s'agit de toucher quelque chose qui tient vraiment au cœur de l'entreprise, elles ne l'acceptent pas. Et elles font du lobbying très actif et qui marche, puisque vraiment aujourd'hui, tous les États de l'Union européenne ont proposé des allocations qui étaient largement supérieures aux émissions et qui ne vont pas dans le sens du changement climatique. François Moisan, et puis peut-être bon, un mot de Nathalie Couche-Commanzier. Les deux, je suis d'accord avec vous, et elles visent le facteur 4, c'est-à-dire qu'elles essayent d'avoir le maximum de quotas. C'est normal, quand il y a des allocations à faire, bah, effectivement, elles se battent pour en avoir davantage, je le comprends bien. Et puis, en revanche, moi, je suis en contact avec beaucoup de grandes entreprises françaises qui ont intégré le fait qu'il y a le facteur 4 qui est en perspective. Alors, ce n'est pas gravé dans la loi, c'est pas encore, il n'y a pas encore tout le dispositif législatif pour y arriver, mais elles savent qu'on va vers là. Et moi, je peux vous dire que des constructeurs automobiles, à des grands équipementiers, ils ont dans l'idée, maintenant, on est obligé d'aller vers là. Alors, entre-temps, effectivement, ils essayent de négocier. Nathalie Couche-Comorizet. Si je voulais faire de la politique, je vous dirais que Jacques Chirac, il avait annoncé qu'on réduirait l'impôt sur le revenu de 30%. On l'aura réduit de entre 15 et 20% en moyenne. Si on fait la même chose sur le facteur 4, qu'on annonce qu'on fait le facteur 4 et qu'au bout du compte, on fait le facteur 3, ce serait vachement bien. Ceci dit, pour répondre vraiment à la question, le facteur 4, c'est, bon, c'est un rapport qui a été demandé, qui est paru récemment, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Qui a été demandé à un économiste, qui était Christian de Boissieu, et c'était important que ce soit un économiste, parce qu'il était demandé avant tout sur la faisabilité en termes économiques et sociaux. Qu'est-ce que ça ferait en termes économiques et sociaux qu'on divise par 4 nos émissions à horizon 2050, comme on veut le faire? La très bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout le monde autour de la table s'est mis d'accord pour dire le facteur 3, on peut le faire quasiment de façon indolore en utilisant toutes les choses qui sont à notre disposition. Le facteur 4, ça coûtera un peu plus cher, mais on sait déjà qu'on a ou qu'on va avoir toutes les technologies disponibles pour le faire. Moi, je suis naturel optimiste, le facteur 4, j'y crois. Ce qui m'inquiète, c'est pas notre capacité à prendre les décisions sur le facteur 4, parce qu'en fait, les choses changent très très vite en ce moment, changent très très vite, y compris dans la prise de conscience. Et moi, je crois que la révolution écologique, elle est en marche, si vous me passez l'expression. Ce qui m'inquiète, c'est plus l'idée que, parce qu'il y a encore des noyaux d'inconscience par endroit, on prend sur certaines questions des décisions qui vont être... parce qu'il y a encore des administrations qui sont en retard, il y a encore des endroits où on est en retard, on prend sur certaines questions des décisions qui, elles, vont être inéluctables et sont à horizon 100 ans. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de parler des voitures, des nouveaux moteurs, de tout ça. Mais la voiture, on la renouvelle en 10 ans. Alors que l'infrastructure ou le logement qu'on construit maintenant, il durera 100 ans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser les priorités. Le petit équipement, comme c'est plus facile, c'est plus immédiat, on a envie de le faire tout de suite. On a quelque part, on a envie de travailler sur le petit équipement, on a envie de travailler sur la voiture, on a envie de travailler sur tout ça. Il ne faut pas que cette attention portée au petit équipement, elle nous fasse oublier le gros équipement et l'infrastructure, parce qu'en fait, c'est là que ça se passe pour le facteur 4. Pour réaliser Kyoto horizon 2008-2012, le petit équipement, c'est vrai que c'est la clé. Pour réaliser le facteur 4, le problème, c'est la grosse infrastructure et le gros équipement. Et bon, je trouve qu'on est... y compris, hein, je prends ma part de cette critique au niveau des politiques, on n'est pas complètement cohérent là-dessus, on a tendance à faire des zooms sur des sujets qui ne sont pas les vrais sujets par rapport à une problématique comme le facteur 4. La révolution écologique est en marche. Merci pour la qualité des échanges cet après-midi. Merci beaucoup.
Merci à vous. La Cité de la Réussite joue un rôle, à mon avis, joue pleinement son rôle quand on a des échanges comme ça. Vous savez que si l'environnement vous intéresse, deux conférences demain dimanche sur la question de l'environnement. Deux conférences. Donc le débat se poursuit. Bon après-midi.